Il y a ce truc même en solo. C'est du camion! YouTube, c'est ma première win en solo, c'est le soir même de la nouvelle saison. J'ai pris la clouteuse avec le ZRG, mais vous allez voir que le gameplay principal se résume au nouveau truck avec les améliorations qui sont disponibles et tout, et je vous montre comment y jouer parfaitement si vous voulez faire des victoires, mais extrêmement simple, à plus de 15 kills. Voilà, petit tuto. Like si t'as kiffé, commente, dis-moi si t'as aimé, abonne-toi. Bisous. Je pense qu'on va bien commencer la soirée. Ouais, pour parler plus en détail. Ah, je suis allongé. Shit, man. Genre, ce goulag est nul à chier. C'est le pire goulag qu'on ait jamais eu. Mais vraiment, sans aucun doute, c'est le pire goulag qu'on ait jamais eu. Quand tu rush, tu te fais attendre par le mec qui campe ici. Quand t'es de l'autre côté, tu vas te cacher dans cette maison. Et au final, t'es obligé d'aller chercher un drapeau qui est exposé à deux fenêtres. Où le mec peut être caché dans les angles et juste jouer au son. C'est si tu restes accroupi, t'as mille fois plus de chances de gagner. Moi, ma stratégie, ça va être de partir sur le côté droit, quasi à chaque fois. De prendre ma ligne, de vérifier la ligne ici. De constater qu'il y a personne. De balancer un petit stuff là. Je vais repartir de l'autre côté. Il devrait sortir par là, il est pas sorti, il explose. En fait, ce goulag est tellement gros que je vais être obligé de procéder par élimination pour en mode c'est pas là, donc c'est là. On va devoir déduire où est le mec en regardant où il n'est pas. Ça va être un peu le bordel, mais on n'a pas le choix en fait, parce que c'est de la merde ce goulag en fait. C'est juste de la merde. Il y a beaucoup de chance pour que notre collègue... Il soit dans ses escaliers en train de m'attendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les monter à Wake. En faisant des petits check-up. Oh, ok, je préfère cette arme. Putain. Tapis dans l'ombre. Attendant sa proie, les gars. Qui pour le moment a pas encore joué à la mise à jour, mais devrait incessamment sous peu le faire. T'as déjà pris des raids d'or? Non, j'ai pas encore pris des raids d'or, les gars. Et deuxièmement, il y a des portes fermées. Quand tu te colles contre, tu crèves. Genre chat, vous êtes pressé de jouer avec quelle arme là? C'est quelle arme votre coup de cœur pour le moment cette saison? La clouteuse? La clouteuse, c'est un délire à quel point elle est bien. Le ZRG fait trop mal. Le ZRG, il fait extrêmement mal. Mais heureusement qu'on a un sniper qui fait mal. D'ailleurs, il va falloir que je le teste dans le front de cet ennemi. Il est bien. Hein. Il est lourd, mais il est bien, les gars. Mais il est lourd. Mais il est bien. Alors chat, je sais pas vraiment d'où ça vient. Je crois que... Genre je suis vraiment pas sûr, mais je crois que c'est en face. Genre juste en face ici. Je tente un truc. La para aérienne, les gars. Il y a aucun risque qu'elle soit bloquée par un muret, vu qu'elle est dans les airs. Faut juste qu'elle pop exactement au-dessus de la tête du méchant. Attends, c'est un satellite ça, je peux faire un truc dessus, non? Il y a une histoire là. Non, c'est juste un morceau qui s'est éclaté la gueule. J'en sais rien, putain. C'est quand même marrant, une clouteuse. Une putain d'arme qui tire des clous. Et c'est quoi ça?
Vas-y, je vais sécuriser ce truc là. Le zapote. Il m'a fait rire cet idiot, gros. Du coup, il se passe quoi là en suivant? Les gars, qu'est-ce que ça déclenche ce truc là? Qu'est-ce que je viens de déclencher avec ce truc là? J'ai un truc qui vient de tomber là. J'ai un truc qui vient de tomber là-bas. C'est ça qui vient de tomber, chat, en hors zone. Qu'est-ce que c'est? Vous me demandez pas ce que c'est, les gars? Il y a ce truc même en solo. Il y a ce truc de ouf même en solo. C'est un truc de malade. Ça, honnêtement, moi je kiffe ce genre de délire. Ce genre de délire, j'adore ça, moi, les gars. Peut-être que je changerai d'avis, mais pour le moment, ça me fait vraiment kiffer. Genre en termes de kiffance, on est très très bien là. Très très haut dans la kiffance. Du coup, attends, si je fous le camion à côté. Non, je peux rien faire pour le moment. Si, il y a un bouton à l'arrière. Un bouton à la con. Oh, ok, attends. Y a quoi? Réparer le camion. Non. Au moment, j'ai besoin de rien. En fait, j'ai peur de me prendre une balle dans la tête pendant que je suis en train de regarder cette connerie. Que je me prenne un énorme pruneau bien sale. Bon, première tête à plus de 100 mètres avec ce sniper, chat. On peut être fier de nous. C'est une belle aventure qui commence. T'as un drone illimité. Drone illimité. Expliquez-moi comment je fais pour l'avoir, les gars. Je vais sur un shop et je dis oh, Shinshingo, Inoni, hot tube, piscine gonflable. Oh. Et j'ai tout ce que je veux dans la vie. Sur le camion, arrête-toi, c'est sur le camion. C'est dingue ce truc. J'ai entendu parler d'un jeune streamer français qui voulait pimper son camion. Je suis là, les gars, c'est Xebit. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, un nouvel épisode de Pimp My Ride. Oh, ça, c'est du camion! Là, on parle! Là, on parle avec moi! Ah bah non, tu te fais cardiac ça, t'es pas bien. Moi je tombe malade. Je vais tenter un truc, les gars. Je risque de me faire bannir, je vous préviens. Alors théoriquement, d'après mes calculs scientifiques, il devrait mourir. Mais... Oh non. Eh si, mec. Le drone du camion, c'est un délire, c'est trop bien. Pour les mecs comme moi qui sont des slayers, qui aiment pas se cacher, pff, fantastique. Des world records vont se faire dans ce camion. C'est pas faux, c'est trop bien.
Genre d'avoir un drone illimité, c'est fantastique. Hein. Regardez ça, les gars. Regardez ça. Genre vraiment, c'est... Même si le mec il a un RPG, j'ai un système trophy qui est quelque part là-dedans et tout, c'est un merdier. Hein. T'as une tourelle, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais une tourelle. Vous voulez qu'on s'en serve, chat, ou qu'on s'en serve pas? Je m'en suis servi, chat. Elle fait mal, chat, cette tourelle. Toujours être patient, chat. Se mettre assez loin de l'ennemi pour qu'il ait pas peur, mais assez près pour le tuer. Non mais le camion, les gars, il est... Surtout que, pour le coup, si tu veux faire des trucs sur le camion, tu fais... Genre, tu te positionnes comme ça, en triangle. Et là, sur le camion, tu fais, hop, réparer. Mon camion a 100% d'HP. J'ai prévu l'avancée du train, c'est pour ça que j'ai tiré 10 cm devant. J'avais pas prévu ça. Regardez les gars, il va vite vouloir remonter dans son camion parce qu'il va prendre peur. Il faut essayer d'anticiper ce que le mec va faire. Un joueur bouclier. Est-ce que j'ai des termites? Ouais, j'ai des termites. Il va se montrer, chat. Il va se montrer. D'une façon safe, d'une façon que lui pense safe, mais il va se montrer. Ah, oh, c'est un joueur bouclier qui joue caché. T'as pas un clou, frérot? Il va devoir traverser. Hop, regardez. Vous voyez c'est les dégâts qu'il vient de faire à mon camion? Y'a plus de dégâts. Putain, mais quelle salope! C'est pas possible, il attend que je remonte dans le truc. C'est fou de jouer comme ça! Tiens, attrape! Mec, y'a le gaz qui arrive! Je vais pas te faire de cadeau! J'ai envie de le paralyser et de lui rouler dessus. Hein. Là, c'est ma seule envie. C'est pas possible de jouer comme ça. Un peu de dignité à un moment donné. Il est dans le gaz? Ah, on a un joueur. C'est pas bon ça, chat. Ça, c'est pas bon. C'est un joueur malin, il joue exactement comme il faut jouer contre un camion. Il bait, il oblige d'arrêter le camion.
Il tente d'éclater le truc. Comme les autres. Allez, on avance, les gars. C'est pas grave si on prend un peu de gaz. Améliore-le, il est à fond. Y a pas meilleur. Du coup, maintenant, on va bloquer la rotation à ce gars-là, vu qu'on voit qu'il est en zone et qu'il est en train de camper. Sauf s'il met une grosse tête au sniper. Ah ben là, là le gameplay... Pareil, position de cover, position triangle. On se re-shield. On remonte. Ah les gars, il va y avoir tout un gameplay développé autour du camion maintenant. Avant c'était fort, mais c'était arrêtable. Un joueur qui est un peu intelligent, c'est inarrêtable. Inarrêtable dans un camion, les gars. Salut, au fait, Didier. Salut, patron. T'es content que je te fasse plein de wins pour la nouvelle saison? Ouais, mec, il se régale sur YouTube. On sait tous les deux que je vais la gagner, celle-là. Quoi, perdre une game? Impossible, c'est comme si tu dis à Rocco de se tromper de trou. Je raconte quoi, là? Ah, je viens de remarquer un petit défaut. Ma tourelle passe pas dans le souterrain. C'est-à-dire qu'il y a des zones auxquelles je n'ai pas accès. Ah bah tiens, en parlant de Rocco. Imaginez, chat, que je fasse partir une para là et qu'elle touche. Alors, c'est beaucoup de risques juste pour un kill? Oui. Voilà. Mais pourquoi est-ce que j'ai pris tous ces risques, chat? Pourquoi est-ce que j'ai pris tous ces risques? Vous le savez, hein. J'avais besoin d'un masque à gaz, vous l'avez vu. C'est une zone qui se finit sur 3 étages. Il y a moyen que le dernier veuille pas fight, tout simplement. Donc on va être obligé de faire comme ça. Alors tant que moi je vais jouer le gameplay camion à fond, c'est le gameplay que j'ai envie de montrer à YouTube. Et à vous. On a repéré un autre ennemi. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais attendre que la zone avance, le forcer à avancer. Ou bien lui foutre 7 headshots à travers la gueule. Il faut se méfier du dernier. C'est un malin. Peut-être à 18 kills, chat. Peut-être. Je suis prêt à 6 swap et mettre des têtes, les gars. Where is the last? Le joueur français va-t-il le faire? Il a annoncé sa victoire. Le stress est présent, chat. C'est un petit malin, les gars. For truck. If you don't have truck, you not win. No. Hey, ferme ta gueule. T'es un gros tas de merde. Yeah. No. Ouais. Hey, you die. You second. Hey. You second. Hey. You second. Yeah. 2.87 KD, bro. York. Hear that.